lorsqu'on parle de placement, on parle comment le portfolio peut être institué chez vous. Faut peut-être impliquer des étudiants à le faire partenaires et qu'ils s'auto-évaluent et que un peu qu'ils suivent un peu le cheminement de l'acquisition des compétences. Ça, c'est pour, c'est pas un moyen d'évaluation pour nous. Du moins, pas jusqu'à là. La supervision, on a la supervision, qu'elle soit directe ou indirecte, donc c'est faisable, ça n'existe pas. Il n'y a pas beaucoup de technicité à avoir pour instituer une supervision directe ou indirecte. La seule chose, peut-être, sur laquelle je n'ai pas trop insisté, c'est la rétroaction. Aussi, l'ambiance ou le décor ou le lieu, très important. Il y a les mouches contre deux portes pour Hans ça doit être une bonne information dans un milieu calme, isolé de tout un chacun, pas besoin du médecin encadreur ou de l'étudiant, qui m'en donne encourager autant que faire se peut, donner un message, et puis, qui m'en parle, c'est l'ordonnance pédagogique.